La chanson « Je t'aime », c'est un succès des karaokés. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'entendre un amateur, appelons ça comme ça, chanter ça devant oui. toi? Oui, oui. Il y a eu des choses magnifiques, hyper surprenantes, puis il y a eu des choses moins magnifiques. Parfait. Alors, nous, on a trouvé ça plutôt difficile parce que tu vas comprendre, au sac de chips, on a décidé de tenter notre chance okay. et de profiter de ta présence pour se faire évaluer. Okay. Donc, on a tout mis, trip sur la table pour essayer et on aimerait savoir tes commentaires. Okay. T'es prête? Prête. Je t'aime! Et quand même, hein? Je t'aime! Comme un fou, comme un soldat, comme une star, c'est pas comme cinéma! Hey, le premier je t'aime était bien parti, hein? C'était bien bon, là, Hélène. Bravo, bravo. Après, tu m'as fait rire. Qu'est-ce que tu veux dire? Avec, je suis pas capable. C'est-tu drôle? C'est pas facile. Parce qu'on pense qu'il faut y aller dans la puissance. Mais en fait, c'est juste une question. Une fois qu'on l'a lancé bien comme elle l'avait lancé, parce que le « Je t'aime », elle l'avait bien lancé, il suffit juste d'ouvrir la bouche. « Je t'aime ». Fait que bravo, Hélène. Je t'aime. Je t'aime. C'est quoi? Ce que j'aime, c'est qu'il y a tout le cœur qu'il faut dedans. Puis des fois, le cœur, c'est peut-être plus important encore que la voix, des fois. Fait que, on est d'accord, on s'amuse, là, c'est sûr, mais le cœur y est. Puis moi, j'aime ça, les gens qui s'amusent avec le cœur. Envoyez André! Je t'aime! Hey! Je t'aime! Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Mais je suis assez surprise parce que c'est pas une note facile à aller chercher. Je te le dis, mais je t'aime! La première note, c'était dedans. Oh mon Dieu. Je t'aime! Pas respirer. Je t'aime! Ah, juste pas respirer, la belle Stéphanie. Tu peux pas chanter quand tu respires pas, hein. C'est comme chanter avec une main sur la bouche. C'est un peu la même chose. Je t'aime! Je t'aime! Pas pire sur l'intention, je trouve. Le chant, c'est un alignement de plein de choses. De l'intensité, oui. Du souffle, oui. Une capacité réelle à produire un joli son, oui. Mais aussi une intention. Puis son intention était très, très jolie. Je t'aime! Je t'aime! Comme un fou, comme un soldat, comme une star. Cinéma. Ça s'appelle une réécriture mélodique. Oui, parce qu'on pourrait dire c'était pas tout à fait juste, mais là, carrément, c'était tellement des autres notes qu'il a réécrit la mélodie. Bravo, Jean-Philippe, tu as eu vraiment de l'avenir dans la composition. Je t'aime. Waouh! Hey, cinéma! Wouh! Bravo Annie! Bravo! Hey, impressionnant! Et là, il y avait une volonté de « je vais la faire à ma façon ». Fait qu'elle n'était pas juste sur mon frame à moi, rythmique. Fait que ça, c'est le fun quand quelqu'un fait bouger un peu le rythme, mais comme un peu, tu sais, laid back. Moi, j'aime ça. Bravo Annie! As-tu écrit « Chaud de mythe » sur son « Je t'aime! Je t'aime! » Ah, oh, belle! Ah, lui a le Félix de la réinterprétation unique, originale, réinventée. My God, Frédéric! Mais c'est lui mon coup de cœur de toute la gang. Ah oui? C'est moi le meilleur!
C'est où l'alcool?